je me sens pas tellement changée et en même temps une personne différente. C'est assez bizarre finalement. Ce qui m'a surpris, c'est de pouvoir retourner au niveau aussi vite. Après, de pouvoir m'entraîner aussi vite. En fait, j'avais pas d'a priori parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, mon corps, il est quand même habitué à fournir cet effort, donc ça me paraît pas plus surhumain que ça en fait maintenant. Voilà. Si c'était marrant à Oslo parce qu'on est toutes les nations dans le même hôtel, que les gens me voient avec la petite, c'était rigolo parce que je pense que comme j'ai pas vraiment changé physiquement, même au niveau du ski ou n'importe quoi, bah les gens des fois ils disent en fait c'était un leurre, elle a jamais eu un bébé. Et du coup voilà, des fois de voir avec, ça permet, ah oui en fait il y a bien un bébé. L'an dernier, avant que je me casse la cheville, j'étais vraiment dans de très bonnes dispositions et je retrouve ces sensations-là d'avant la saison de l'an dernier. Mais je pense que j'avais beaucoup progressé l'an dernier et que je récolte aujourd'hui, enfin, on va dire, un peu les fruits du travail de l'année passée que je n'ai pas pu exploiter sur la saison dernière. J'ai, en moyenne, le quatrième temps de ski à peu près et après en tir, je ne suis pas super. Donc je dirais que mon rang, je ne sais pas, on va dire 5, 6e. Si je mets les balles, ça peut faire des podiums, quoi, c'est sûr. Après, il faut toujours les mettre, quoi. Il y en a plein. Si tout le monde met les balles, on va dire que je suis 5e, je pense. Ou 4e. Ou peut-être mieux, j'en sais rien. C'était. Et ça fait depuis 2 ans, c'est un peu moins le cas. Il faut vraiment que je me fasse violence et peut-être que là, tout est allé trop vite. Que je suis remontée très vite en Coupe du Monde, que tout de suite, j'ai eu des bons temps de ski et que du coup, faut que ça suive. Et des fois, ça... Voilà, ça suit pas quoi. En fait, je penche vers l'avant comme ça et la dernière, je l'envoie à gauche. C'est vrai que c'est un peu mon point faible de penser d'abord au résultat avant de penser à la manière. Et j'ai besoin de pas mal de courses ou d'un enchaînement d'entraînement important avec du stress. Donc voilà, ça reste le travail là d'avant les mondiaux, de gagner de la confiance au niveau du tir parce que cette année, il me fait un petit peu défaut. Ça a beaucoup changé et c'est chez les filles, c'est. Une belle surprise parce que les jeunes qui arrivent, elles sont super sympas. Il y a vraiment une très bonne ambiance, c'est très serein. Voilà, ça donne l'envie pour le relais. Après, faut que là, finalement, on va dire que c'est plus des skieuses que des tireuses. Et je pense qu'il faut qu'on a à gagner là-dessus, à savoir qu'un relais, maintenant, pour être sur le podium, il ne faut pas faire plus de 5 pioches. Quoi. Ouais, je pense une grosse capacité pour l'avenir. Beaucoup pensent que j'ai rattaqué trop vite, mais j'ai quand même rattaqué assez doucement et prudemment. Et voilà, le corps, il se remet quand même très vite. Il a une mémoire de l'effort assez impressionnante. Les courses me puisent beaucoup d'énergie. Et après les courses, je suis plus fatiguée qu'avant. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut que je fasse extrêmement attention à la récup, au sommeil, à tout ce qui est étirement. Je sens que je suis fragile, mais en forme, donc tout va bien.